Cet hiver, je vous montre comment réaliser un porte-monnaie de A à Z. Très facile à faire, c'est un petit accessoire du quotidien qui nécessite peu de tissu. On le monte ensemble, pas à pas. C'est parti! Il vous faudra une chute de tissu d'environ 30 cm par 25 cm si vous voulez faire un porte-monnaie uni, ou deux chutes de tissu de 15 cm par 25 cm si vous préférez un porte-monnaie contrasté. Vous pouvez utiliser tout type de tissu tissé, du coton, que ce soit en gaze, en toile ou en popeline, de la viscose. Évitez d'utiliser un tissu trop fin de type voile, car un porte-monnaie est beaucoup sollicité. Et si vous choisissez un tissu un peu lourd, de type velours ou lainage, rajoutez 1 cm sur tout le tour du patron. Il vous faudra également la bobine de fil assortie et une pression de 10 mm adaptée à votre tissu. Pour réaliser le patron de votre porte-monnaie, une feuille A4 suffit. Au milieu de votre feuille, réalisez un rectangle de 10,5 cm par 18,5 cm. Tracez une ligne à la verticale au milieu du rectangle qui sera le centre du porte-monnaie et nommez C une des extrémités. Puis à l'opposé de C, en perpendiculaire, tracez une ligne à 7 cm. Elle sera notre repère pour plier le porte-monnaie. Ensuite, en parallèle à cette dernière, tracez une ligne à 7 cm et nommez A à gauche et B à droite. Rejoindre A et C en arc de cercle, puis C et B en miroir à A et C. Enfin, ajoutez 7 mm de valeur de couture tout autour du patron et découpez le patron. Placez votre patron dans le sens du droit fil, la partie arrondie en haut, et découpez-le deux fois. Une fois dans le tissu extérieur et une fois dans la doublure. Positionnez endroit contre endroit l'extérieur et la doublure du porte-monnaie et épinglez. Piquez à 7 mm du bord tout le tour en laissant le bas du porte-monnaie ouvert et en faisant bien doucement dans l'arrondi. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Crantez l'arrondi puis retournez le porte-monnaie sur lui-même grâce à l'ouverture en bas. Repassez et rentrez les valeurs de couture de l'ouverture vers l'intérieur du porte-monnaie en repassant. Fermez l'ouverture en piquant sur l'endroit à 3 mm du bord et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Placez le patron à côté du porte-monnaie et pliez le porte-monnaie au niveau de la ligne de repère du patron au fer à repasser. Superposez bien les côtés au niveau de la partie pliée et épinglée. Sur l'endroit de la partie pliée, piquez les côtés à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Puis, rabattre la partie arrondie au fer à repasser. Enfin, nous allons mettre la pression. Positionnez la pression mâle sur le rabat arrondi avec la partie mâle à l'intérieur sur la doublure et la partie plate à l'extérieur. Et pressez fermement avec la pince à pression. Puis, sous le rabat, placez une épingle comme repère à 2 cm du bord au milieu du porte-monnaie et positionnez la pression femelle avec la partie femelle à l'extérieur et la partie plate à l'intérieur sur la doublure et pressez fermement avec la pince à pression. À plat, la pression femelle arrive un peu plus haut que la pression mâle pour permettre au porte-monnaie de se fermer en étant rempli de quelques pièces. Et voici, vous avez réalisé un porte-monnaie de A à Z. Vous pouvez maintenant le décliner dans de nombreuses matières, pour vous ou pour offrir. À bientôt!